Madame Chivante. Bonjour. Yes, dame. Dominique, bonjour. Oui, Alvina, bonjour, tu es où? Je suis sous la douche. Ah, à la maison, ok, moi je t'appelle de rien faire à ferrage. Hein. Pas là, tu pas là, motel, je te dis ma chérie. Oui. Quoi, Philippe, ton gars, Philippe, était un grand pas là, mais si tu as raté ma chérie. Quand tu passes ton temps à tricher à l'école, tu penses que tu es le plus fort de l'école? Il y a le plus. Tu triches avec monsieur Bernard. Tu te crois? Tu te crois pour qui? Le fait, c'est quoi? Qui cochon? Hein? Toi? Moi, cochon. Oui. Il y a des babouins malades. Tu vois pour qui? Le fait, c'est quoi? Pute. Qui pute de pour moi? Mais toi aussi, 2 contre 4. Eh ma chère, ça sera la une de mes. Aïe, tu as cité à ferrage pour une comme quoi. Je t'ai dit. Tu m'appelles juste pour ça ce matin. Écoute, je t'ai déjà dit de ne pas appeler Philippe mon chéri. Quoi, Philippe, c'est pas ton gars. J'ai dit Philippe, c'est un gars mignon. Tu veux pas vous laisser. Philippe, c'est pas mon chéri, arrête. Et je suis en train de venir au cours, donc arrête de m'embêter. Je suis sous la douche. Mais attends, donc tu ne veux pas, que je t'explique l'histoire là. Ouais, appelle après. On en parle. Ok. Mais. Elle est malade, quoi. Demain, on va t'appeler demain. So, what's up with Dominique? Why are you talking to her like that? I don't understand that, girls. Elle aime parler des choses qui ne la regardent pas. Elle aime critiquer les gens, je te promets. C'est grave. Oh, I hate people who gossip. I can't stand it. Oh my gosh. Oh, no. Oh, friend. C'est rien. Ça va passer. Merci d'avoir amené le téléphone. Alright, babe. See you. Je t'arrive, madame. Andrea, je ne suis pas content de toi. Comment tu peux obtenir 10% en maths? Avec tous les moyens que tu as dans la maison ici pour réussir. Qu'est-ce que tu fais donc dans la salle d'études? Jouer avec ton téléphone, n'est-ce pas? Avec ça, tu fais la tête à ton père pour lui voiture. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour mériter une voiture? Mais t'as dit, Naki, c'est comment tu as su que j'ai les 10%? Comment je sais? Regarde ici. Avec ton mot de passe et ton numéro d'étudiant, nous les parents, nous avons accès à vos résultats. C'est ce que tu oublies. Je dirai à ton papa, comme ça on verra si il continue à tenir sa promesse pour ta décapotable.
Continue qui c'est, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne dis pas papa. Je te promets, je ferai mieux à l'examen prochain. S'il te plaît. S'il te plaît, ne dis pas papa. Et puis quoi encore? Non, Andrea. Andrea, on ne se comporte pas comme ça. S'il te plaît. Tu es qu'une enfant gâtée. Ce n'est pas parce que ton père a les moyens pour te donner tout ce dont tu as besoin qu'il doit te comporter de la sorte. Non. Andrea, tu dois faire les études. Tu dois bien te comporter à l'école. Je ne suis pas contente. Chaque fois, on doit m'appeler à l'école pour se plaindre de toi. Non, Andrea, tu es une grande fille, tu n'es pas une petite fille. Les amis que tu suis là, tu sais ce qu'ils font? Tu n'es pas allé à l'école pour former des groupes. Tu es allé à l'école pour étudier. Et c'est pour ton avenir. Ce comportement pour me dire que ton père est riche, non? Ton père a travaillé pour être là où il est aujourd'hui. Tu penses que s'il faisait comme toi, tu allais te permettre de lui demander une décapotable? Non, Andrea, non, je suis vraiment déçue de toi. Tu ne sais vraiment pas ce que la vie nous réserve, Andrea. Qu'est-ce que tu as fait de bien travailler à l'école? Je suis sûre même que tes amis là travaillent mieux que toi. Parce que madame elle est une fille à papa. Non, c'est pas comme ça. J'espère que tu vas arrêter toutes tes bêtises que tu fais à l'école et te concentrer sur tes études. J'espère bien. Allez, va t'asseoir. Si tu veux. Mais dis pas, papa, s'il te plaît. J'espère bien. Non, je suis déçue de toi. Quelles sont ces manières? Je ne sais vraiment pas pourquoi je te laisse avec cette femme. Quelle femme? De qui tu parles? Tiens, si je te posais la question, de qui tu parles? Les jeunes, les collègues de l'école, de la classe, de l'université, ouais. Je n'ai pas envie qu'ils voient tout ça. Tu vois, quand ils vont voir tout ça, le style que j'ai là-bas, ils ne vont pas croire. Et ils seront curieux de savoir pourquoi, comment, tu connais. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Tu vas dire à Jean-Philippe d'arranger l'annexe. Ouais. Parce que pendant toute la semaine, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine qui va commencer, là-bas, je vais utiliser l'annexe. Alors qu'il enlève tout ce qui est luxueux, tout ce qui peut attirer l'attention des autres. Ok? Ouais, mais c'est fini. Ouais, parce que toi, tu sais, il cherche toujours à connaître quoi tout sur moi. À part ça, je fais toujours. Anissé avait compris. Il ne faut pas m'appeler Monsieur Philippe. Surtout quand on va là-bas. Pas question de Monsieur Philippe, ok? Anissé. Tu vois déjà le téléphone que j'utilise, trop simple. Pas Monsieur Philippe, Philippe. Ok? Ok. Bon. J'ai confiance en toi, ok? Ouais,
tout le monde. Bonjour. J'espère que ça va bien. Nous allons commencer notre cours d'économie. S'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter ce que tu es en train de faire là-bas? Pour qu'on essaye d'évoluer. Le cours d'économie, c'est un cours qui va de pair avec la formation que vous êtes en train de suivre dans cette université. Donc, please, j'attire beaucoup plus votre attention à ces cours. Ok? Monsieur Maxwell, est-ce que vous pouvez mettre au courant la salle de classe de quoi vous êtes en train d'expliquer à la demoiselle? Parlez-nous, monsieur. Monsieur, c'est juste que vous avez changé de style. C'est comme si vous revenez du Moscou, bon. Apparemment, c'est comme si vous revenez de la Première Guerre mondiale, monsieur. Vous faites blaguer la classe ou bien vous voulez vous me parler à moi? C'est votre habillement, monsieur. Est-ce que vous connaissez la mode? Ça, c'est du style, petit. Assieds-toi. Laisse-moi continuer mon cours. Asseyez-vous, messieurs. L'Afrique, actuellement, vit une période de croissance. Et les recherches nous montrent que les 6 des 10 pays cités mondialement qui ont connu cette croissance mondiale sortent du continent africain. Et par là, je voulais juste dire, vous en tant qu'Africain, vous devrez vous féliciter. Selon les recherches que je vous ai données, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire cet exposé? Moi, monsieur. Ok, vous. Bon, monsieur, par rapport à l'exposé, au sujet, dans mon groupe, on s'est rendu compte que l'Afrique est en train de. Actuellement, est en train de se mettre une croissance économique. Donc, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a 10 pays qui ont connu une plus forte croissance. Et parmi les 10 pays, il y a 6 qui viennent de l'Afrique. Alors c'est vraiment bien. Je ne sais pas si ça vous dérange de m'acclamer un peu pour l'Afrique. Applaudissez. Merci quand même. Et pour continuer, par rapport à la moyenne de la dette extérieure de l'Afrique, l'Afrique est passée de 63% du PIB en 2011 à 22,2%. Et l'influence moyenne s'élève aujourd'hui de 8%. Donc c'était 22, maintenant c'est 8% jusqu'à présent. C'est vraiment une bonne chose. Et je ne sais pas si Rachel voudrait ajouter quelque chose. Ok, est-ce qu'elle est là, Rachel? Viens te tenir devant et donne-nous ton exposé. Merci monsieur pour la parole. Par rapport à ce que mon collègue Philippe vient de dire, comme on a travaillé dans le même groupe, selon mes analyses, je peux dire que cette croissance est due à l'augmentation d'exportation, à l'amélioration des conditions commerciales, si je peux le dire comme ça, et à la consommation intérieure en constante croissance. Alors, à cet effet, il est demandé aux dirigeants africains de chercher à identifier les moteurs, les obstacles, les inconvénients de la croissance dans leur pays pour qu'elle demeure constante. Je ne sais pas si... Non, c'est très bien dit. Waouh! Applaudissements pour Rachel. Je ne savais pas que tu étais aussi brillante comme ça. Attends, simplement, ma copine, elle est bête. Merci Rachel pour ton exposé. Et j'encourage aussi d'autres groupes à continuer leur recherche par rapport à ce que je vous ai donné. Niki? Oui. Est-il un problème? Il n'y a pas un problème, Niki. Est-ce que tu te rappelles about last night? Oui, je me rappelle très bien. Mais je t'ai dit que j'avais pensé, non? Que je devais penser à ça, tout ce que tu m'as dit. Ok.
Pourquoi tu me suis comme ça? Je sors de l'école et tu me suis. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, premièrement, je sais que tu es au courant. Fulgence non plus. Ah bon? Mais il y a les autres sont là. J'ai appris qu'il y a même dans la classe mon cousin qui est là. C'est quoi alors? C'est qui? C'est pas son frère, okay. C'est son cousin. Mais c'est toute une clique qui sont là pour toi, même si Fulgence n'est plus là. En fait, j'ai besoin de quelqu'un que tu aimes. J'ai besoin de quelqu'un qui doit toujours être là, pour tenir. C'est ce que je veux. Je t'ai dit que j'allais y penser. Que ça ne soit pas comme si tu me forçais. Je t'ai promis que je vais trouver le temps dans lequel on allait parler. Je sors de la classe et tu m'appelles Nikki, Nikki, on croyait c'est comme s'il y avait un problème. Je ne sais pas si tu réalises au moins ce que je sens. Si tu pouvais au moins voir mon cœur, tu n'allais pas dire ce que je suis en train de dire. Oh là là, avec ta clique là, et je sais pas quoi, ces choses là. Et toi, Fulgence, le garçon le plus orgueilleux de la classe, penses-tu que ça va marcher? Écoute, tu es Nikki. Tu as ta clique. Et moi, je m'appelle. J'étais là avec Fulgence. Même elle ne plus. Mais non, c'est moi. Pourquoi tu ne trouves pas une dans le groupe de BCBJ? Elle ne t'intéresse pas, ces filles? Mais je trouvais la meilleure. Okay. C'est bon, j'ai compris. Je te promets, comme ça, je te fais signe, on va se voir. Pour bien en parler. On peut en parler ce samedi. Ok, appelle-moi le samedi, comme ça, on en parle. Okay, c'est bon? On se voit le samedi. Ok, pas de problème, alors. J'espère que tu vas arrêter de me déranger. Tu vas tout me dire le samedi. Je vais tout te dire. Ok, c'est bon. Sinon, tu prendras bien soin de toi, alors. Ok, merci. Ok, bye bye. Passe une bonne journée. Merci. Ok, bye bye. Elle est très belle, Nick. En tout cas, j'aime cette fille. Allô? Bonjour papa. Ça va bien toi? Mais papa, je veux savoir, tu viens quand? Oui, je sais. Hein? Ok. Bon, papa, tu sais d'abord pourquoi je ne t'ai parlé plus. Hein? Pourquoi je ne répondais plus à tes appels? Mais oui. C'est vrai, parce que tu as oublié. Ma décapotable jusqu'à présent, tu n'as pas encore acheté ça. Alors, tu viens pour les dettes africaines. Mais papa, c'est pas de ma faute si ces pays africains sont esclaves des dettes. Et c'est moi qui les ai envoyés. Mais... Papa, moi je veux juste ma décapotable, c'est tout. Ok. Bien sûr. Ok, ça va. Mais papa, tu sais, c'est les vacances. Et quand tu viens ici, moi je veux voyager. Je vais aller à Paris. Quand je reviens, je veux plus habiter dans cette maison. Il faut que je déménage. Mais papa, tu sais, sous les cours, c'est pas moi qui te donne les rapports sur mes études, c'est tata Akissi, donc il faut parler avec elle. Mais tu parles toujours avec Akissi, mes histoires de l'école, depuis quand tu me demandes sur l'école. Mais oui, Akissi va tout te dire, faut pas me demander, non. Oui, mais tu sais, ta fille est trop intelligente, tu sais, je ne peux pas échouer, je suis trop intelligente. Ok. Mon papa, avant que tu raccroches, dis-moi. Est-ce que tata Akissi a un enfant qui a mon âge? Okay. Mais elle m'a rien dit, non. Je n'ai même pas parlé avec elle. C'est juste dernièrement, elle me disait, en train de parler, elle me dit qu'elle n'aurait pas dû laisser cet enfant avec cette femme-là. Et puis hier, j'arrangeais sa chambre, j'ai vu une photo d'elle avec un enfant.
Oui. Ok, je vais alors lui poser la question. C'est juste, elle a travaillé pour nous il y a... Ça fait longtemps, je croyais toute sa vie. Ok, ça va alors, je vais parler avec elle. Ok. Ok, ça va. Mais papa, ne prends pas ton temps là-bas, s'il te plaît. Parce que moi, je suis fatiguée de rester ici, je vais voyager. Tous mes amis vont partir. Ok, ça va. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci déjà d'être là pour cette grande campagne de mobilisation contre l'Ebola organisée par les étudiants de l'université. Et pour cela, je voudrais introduire la présidente, l'organisatrice de cette conférence, Nikki Feza, qui viendra nous donner sa prestation. Nikki Feza, suivez vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci d'être venu à cette campagne de sensibilisation contre l'Ebola organisée par le groupe Maison Mère. Et merci à tous les éminents ambassadeurs, diplomates et investisseurs en Afrique pour avoir rendu possible cette campagne de sensibilisation contre l'Ebola. C'est bien vrai qu'étant jeune et à l'université, nous avons des ennemis et j'ai été surprise de voir le groupe BCBG oublier leur orgueil et nous approcher pour prendre part à cette campagne. Mais j'aimerais avant tout remercier l'Alliance française et l'Afrique du Sud pour leur soutien et l'ambassade du Maroun pour leur aide à rendre cet événement inoubliable et de montrer à nos frères de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone que nous sommes de tout cœur avec eux. À cette occasion, nous aimerions inviter l'ambassadrice du Maroun, Madame Lisette Copier.